ce soir c'est financier aux abricots, donc financier, il vous faut un beurre, 150 grammes, 100 grammes de sucre glace, 150 grammes d'amandes en poudre, 20 grammes de farine, 6 blancs d'œufs, 15 abricots et du fromage blanc. Alors, pour la recette, il faut que vous mélangiez sucre glace, amandes en poudre, farine, blanc d'œuf. Vous mélangez tout ça ensemble, c'est des produits secs à part les blancs. À côté de ça, vous allez prendre le beurre, vous allez faire fondre noisette. Vous allez voir, il y a le petit lait qui remonte. À un moment, le beurre, il devient comme ça marron. C'est un beurre noisette. Le beurre, il faudra, quand il est noisette, vous le mettez de côté. Vous attendez qu'il refroidisse un peu pour aller dans ce mélange-là. Sinon, vous allez cuire les blancs d'œufs. Et ensuite, vous cuisez ça dans un four à 185 degrés pendant 10 à 12 minutes. Il faut que le financier reste moelleux. À côté de ça, les abricots. Vous allez travailler un peu les abricots dans une poêle avec du sucre. Vous allez les faire caraméliser. Voilà, on les voit ici. Le financier est en dessous. Les abricots coupés en quartier, caramélisés. À côté de ça, j'ai pris un peu d'abricots, équivalent de 3-4, mixés avec un mixeur. Je n'ajoute pas de sucre. Ça va apporter un petit peu d'acidité, sachant qu'ici, les abricots sont sucrés et le financier est sucré. Fromage blanc. J'ai mis un petit peu ici de graines de courge. Ici, j'ai fait une huile menthe mixée avec un tout petit peu d'huile. On appelle ça une chlorophylle de menthe. Et ça va venir donner une couleur sympa avec le côté abricot, le côté orangé, le vert, le blanc. C'est magnifique. À côté de ça, on va venir chercher un petit peu de fromage blanc. Et on va venir dresser gentiment le fromage blanc sur le financier aux abricots. Et ici, on a vraiment un dessert sympathique. Bonsoir, bon appétit.